On démarre fort hein, aujourd'hui. Alors, je répète. Mieux tatou au premier mur. On démarre, on appuie sur sa jambe gauche. Sur ma droite, je viens faire un toe strut à droite. Je pointe et je dépose. Je croise le pied gauche devant le pied droit. Je pointe et je dépose. Je fais ensuite un side rock à droite. Side rock. Je reviens bien en appui sur ma jambe gauche. Pour enchaîner un behind side cross du pied droit. Croise ton pied droit derrière, croise ton pied gauche à gauche et croise ton pied droit devant. Je refais à droite, toe strut, 3, 4 et toe strut, croise toe strut et side rock, behind side cross. Même, presque même chose, on va dire à gauche. Donc toe strut à gauche, je croise ma jambe droite devant, toe strut du pied droit, side rock à gauche, side rock. Et là, bien en appui sur ma jambe gauche, je vais venir faire un demi-tour vers la gauche avec un sailor step. Donc, je vais reculer à peu près un quart de tour, je dépose le pied gauche derrière. Je continue à pivoter, je pose mon pied droit et je pose le pied gauche devant. On arrivera donc face à 6 heures. D'accord? Coucou, mamie Tita. Allez, je refais. Premier mur, à droite, 3. 4 et toe strut, je croise toe strut et side rock, behind side cross, et toe strut, je croise toe strut, side rock demi, c'est leur demi. Poids du corps sur ma jambe gauche quand j'ai terminé, d'accord? Jusque là ça va? Normalement oui. Et quand on arrive, mur du fond, face à 6 heures, j'avance en faisant soit des hip lift, soit, donc c'est-à-dire comme des bumps, soit je fais mes toe strut. Donc, soit je pose la pointe du pied droit et ensuite je redépose mon talon, poids du corps sur ma jambe droite. Et même chose du pied gauche, toe strut du pied gauche. D'accord? Soit en même temps que je fais mes toe strut, je peux faire des hip lift. Donc, je monte la hanche et je monte la hanche. D'accord? Donc, ça sera à vous de voir. Coucou Midi! Coucou la Belgique avec Charleroi. On y va. Encore une fois, depuis le début, à droite. 3. 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi, 7 et 8. J'avance. 1, 2, 3, 4. Quand on arrive ici, du coup, poids du corps sur ma jambe gauche. Bonjour Angéline. Je vais donc ensuite faire un rocking chair du pied droit. Je balance une fois le pied droit devant, je reviens appui sur le pied gauche, je pose ton pied droit derrière, je reviens appui sur le pied gauche. Puis je fais un step demi-tour du pied droit, je réfléchis. Ça se voit quand je réfléchis. Pose ton pied droit devant, pivoter un demi-tour vers la gauche, poids du corps sur ma jambe gauche. Je refais déjà tout ça depuis le début. À droite, 3, 4 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2. Poids du corps sur ma jambe gauche. Quand j'arrive ici, je vais avancer sur un triple step avant droit. Triple step. Et je viens tourner un demi-tour vers ma droite en déposant le pied gauche derrière. Un quart de tour vers ma droite en déposant le pied droit à droite. Et je croise le pied gauche devant en faisant un triple cross. Triple cross. Ça y est, j'ai ma fin. Donc, je reviens à partir du mur du fond sur le rocking chair. D'accord? On fait ça ensemble pour faire ensuite le step demi-tour. Triple step demi-quart et triple cross. On fait ça ensemble. D'accord? Mur du fond. Face à 6 heures, poids du corps sur ma jambe gauche, rocking chair du pied droit. 3, 4, et rocking chair, remonte step demi-tour, triple step demi, un quart, triple cross. On est donc bien poids du corps pied gauche pour pouvoir reprendre sur un toe strut à droite. Ok? Coucou Daniel, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui? On refait le premier mur. Dites-moi si vous la connaissez un petit peu en commentaire ou pas. Ou pas du tout. Ou alors c'est une découverte. On refait premier mur à droite. 3, 4 et toe strut. Toe strut. Side rock behind side cross et toe strut. Toe strut. Side rock et c'est leur demi. J'avance toe strut.
Toastrot et le rocking chair. Step demi-tour et triple step, demi-tour, quart de tour et mon triple cross. Toastrot, toastrot. Ok? Impec. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous serez prêt à faire, à la mettre en musique ou pas du tout? Dites-moi un petit peu, est-ce que vous serez prêt à la faire en musique ou pas? Oui, non, peut-être. Un petit peu, à moyen. S'il y a besoin, je fais les autres murs, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me mettre un petit message. D'accord? Donc il y a des cœurs, il y a des pouces. Oui, musique, nous dit Sylvie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Coucou Lorane. Ok pour Patricia, ok pour Thérèse, ok pour Isabelle. On va essayer. Bah oui, je m'en doute. Elle est costaud, hein, celle-ci, elle va aller vite. Hein. Oui, musique, ça va. Ok, normalement, c'est une révision, celle-ci. Donc, c'est pour ça que je... Voilà, histoire de se remémorer un petit peu, de se rafraîchir la mémoire. Si, pour Amparo, ok. Martine, oui, c'est bon. Ok, coucou Martine. Ok, donc on y va, du coup, en musique. Allez, c'est parti. Je vais juste resserrer un peu mon pantalon. Il n'y a pas de souci aussi, hein. Là, quand on a des migraines, c'est compliqué. Mais parfois, en dansant, ça nous enlève notre migraine. C'est un bon remède, la danse. Allez, on y va avec New Tattoo. I need a new tattoo. I wanna feel like a new man.
Marine. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Oui, ça a été. Coucou Noël. Alors ça, c'était du coup New Tattoo. J'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, super. Ok. On continue du coup avec la prochaine danse. Alors, vous l'avez certainement reconnu, Playboy. Oui, elle est super sympa. Alors, super facile, je ne sais pas si ça serait super facile à retenir, mais elle est plutôt sympathique. Ouais. J'aime beaucoup, surtout moi, la rythmique. Les musiques qui sont un peu rock comme ça, j'aime bien. Je n'ai pas forcément de style préféré. J'aime bien tout faire. Mais c'est vrai que j'ai un faible pour les musiques qui bougent. Allez, on continue du coup avec Playboys de Kalari Wilson. Donc une chorégraphie qu'on a déjà travaillée aussi plusieurs fois. Durant les lives et durant aussi d'autres lives, vous avez eu l'occasion de la voir. Donc c'est une danse qui est également novice, 32 comptes, 4 murs. Alors, c'est vrai que, bon, ça reste dans du novice, mais moi je la considère plus en intermédiaire facile, puisqu'il y a plusieurs restarts et tags. Donc, je trouve que novice, c'est un peu compliqué à tout retenir. Ou un bon novice, quoi. Donc, je me remémore un petit peu tout ça. Ok, j'ai plus la fin. J'aime aussi les rapides, oui. chez moi, apparemment, Paro, ça va. Ça a l'air de bien se passer. Je vérifie quand même sur le téléphone. Oui, non, ça va, on a plutôt une bonne connexion de notre côté. Les autres, laissez-nous un petit message pour voir si, si c'est que chez Amparo qu'il y a un problème de connexion. Bon, c'est l'Espagne hein, aussi. Écoute, on ne peut pas tout avoir, Amparo. Entre le soleil et la bonne connexion, il faut choisir. Coucou Laura. Merci de nous faire un petit coucou. Alors, idem, j'aime bien. Ok, ouais, bon, ça c'est top. Tout va bien. Bon, super. Coucou Angèle, je sais pas si j'avais dit bonjour. Ok, on y va du coup avec Playboys. Bon, apparemment, ça vient de ton côté, Amparo. Bonne connexion. Pour moi, ça va. Ok. Oui, bah, ça, le soleil ou la connexion, faut choisir. Allez, on y va. Donc, 32 comptes, 4 murs, plusieurs restarts et tags. D'accord? Donc, on va démarrer sur un side together et triple side à droite. Pose ton pied droit à droite, je rassemble. Pied gauche à côté du pied droit. Poids du corps sur ma jambe gauche, triple side à droite. Triple side. Rock cross du pied gauche devant. Forcément. Je sais pas où je vais le faire, mais bon. Donc, pose ton pied gauche devant, je reviens en appui sur mon pied droit. J'enchaîne sur un triple quart de tour à gauche. Triple quart. Je suis donc tournée face à 9 heures. On refait. Juste le début. 3, 4. Et side together. Et le triple side. Rock, cross et mon triple K. Je suis donc tournée face à 9 heures. Je prépare du coup mon tour pour faire un full turn en partant du coup vers ma gauche. Je vais pivoter. Demi-tour, pose ton pied droit. Demi-tour, pose ton pied gauche devant. Et là, je viens faire un Mambo step avant droit. Mambo step. Poids du corps sur ma jambe droite. Oui, Thérèse. C'est vrai que nous, bon, ça va. Je trouve qu'il ne va pas encore trop froid aujourd'hui. Mais vous
C'est sûr qu'on n'a pas de bon temps, mais on a de la bonne connexion, ça c'est sûr. je refais ça depuis le début. On y va. J'espère que ça va aller quand même pour toi en paro. On y va à droite. 3, 4. Et side together. Et mon triple side. Et rock, cross et le triple car. Je tourne droite, gauche, mambo step. Alors, mambo step ou coaster step inversé. Hein, d'accord? Avance, rassemble, recule droite. D'accord? C'est possible. Moi, je dis plus un mambo, soit les danseurs retiennent plus un mambo en mambo step. D'accord? Mais il faut savoir que la chorégraphie était écrite en coaster step inversé, en avant. D'accord? Ensuite, je recule le pied gauche derrière. Je viens faire un suite du pied droit. Pam, pam, pam. Non, fais inverse. Ouais. Je rouille un petit peu à force. Donc, une fois que j'ai reculé donc bien mon pied gauche, mon pied droit derrière, avec ma pointe du pied gauche, je viens faire un sweep. Je pose mon pied gauche derrière, un sweep du pied droit, je pose mon pied droit derrière. Et coaster cross du pied gauche. Je recule, je rassemble et je croise mon pied gauche devant le pied droit. Je refais juste ça. Ben oui, nous, à la rigueur, on peut se baigner à la piscine municipale. Et encore, il faut avoir un certificat pour y aller. Mais on ne peut pas encore se baigner à la mer, c'est pas possible. Donc, pointe le pied gauche, sweep, pose ton pied gauche, sweep du pied droit et coaster cross du pied gauche. Ok, je refais tout ça depuis le début. Allez, 3, 4, et side together, et le triple side. Rock, cross et mon triple car, full turn. Mambo step, je recule gauche, droite et coaster cross. D'accord? Une fois que j'arrive ici, je fais un side together. Pose ton pied droit à droite et je rassemble le pied gauche à côté du pied droit. Poids du corps sur ma jambe gauche, j'avance sur un pas chassé avant droit. Triple step. Je fais ensuite un rock step avant gauche. Rock step. Suivi d'un sailor step, demi-tour du pied gauche. Ça tombe bien, on en a fait un juste avant, dans la danse précédente. Donc, je recule à peu près mon pied gauche, quart de tour, je pose, je continue mon tour, je repose mon pied droit et je viens avancer mon pied gauche devant. Je refais juste ça. Rock, step, et c'est l'heure demi. D'accord? Et on est donc tourné face à 3 heures. Ok jusqu'à maintenant? Oui. Ensuite, j'avance droite, j'avance gauche. Je viens faire un rocking chair en syncopé du pied droit. Je balance devant, je reviens, je balance derrière, je reviens. En appuyant sur mon pied gauche. Et je vais finir en faisant pointe pied droit devant, pointe pied droite à droite. Et je fais un début de coaster step. En fait, je viens simplement reculer mon pied droit derrière et rassembler le pied gauche à côté du pied droit. Donc ça fait pointe devant, côté, derrière, rassemble. Si je ne dis pas de bêtises. Coucou Angèle. Ici, il manque un touch. Voilà. Donc, derrière, rassemble. Donc, derrière, rassemble le pied gauche. Et je viens simplement faire un touch du pied droit à côté du pied gauche. D'accord? Allez. On continue. On refait déjà le premier mur. Ça sera déjà pas mal. Ok? On y va. À droite. 3. 4, et side together, et mon triple side, rock, cross, et le triple car, full turn, droite, gauche, mambo step, je recule gauche, droite, coaster step, et side together, et mon triple step, rock step, et c'est l'heure demi, je marche droite, gauche, et le rocking chair, et pointe, côté, derrière je rassemble, touch, ok, attention sur la fin, le rocking chair, et pointe devant, côté, derrière, rassemble, touch. Ok? Est-ce que ça va? Je vois pas vos messages. Coucou Gary. Alors, est-ce que tout va bien? Dites-moi un petit peu si ça va sur celle-ci ou pas. Est-ce que vous en rappelez? Ah, ça y est, ça arrive.
c'est tout de même incroyable que ça n'aille pas plus vite. On est censé avoir la fibre, etc. Mais il faut quand même 1 minute 30 le temps que vous envoyez le message et que je le vois. Bon, ok. Je vous propose rapidement quand même qu'on se fasse le deuxième, troisième et quatrième mur. D'accord? Surtout qu'il y a quelques petits... Oui, bah voilà, c'est toi. C'est ce que j'étais justement en train de penser, Thérèse. Ouais, peut-être quand même un deuxième, puis troisième et quatrième, tant qu'on y est. Parce que vous allez avoir du coup des restarts. Donc le premier va démarrer au troisième mur. Et ensuite, au quatrième, il y aura un petit tag que je vais vous montrer tout de suite après. Oh, les mouches, par contre, qu'est-ce qu'on a de mouches chez nous? Quel terrible. On y va, deuxième mur face à 3 heures. On y va à droite, donc on a fini sur point de pied droit devant, pied droit à droite, recul droit, traçante gauche et touch. Donc on est forcément en appui sur son pied gauche et pour repartir avec le pied droit à droite, d'accord? Face à 3 heures, on y va. 3, 4 et side together et mon triple side. Rock, cross et mon triple cap. Full turn, droite, gauche et le mambo step, recul gauche, droite et côte cross. Side together et triple step. Rock step demi et c'est leur step. Je marche droite, gauche. Le rocking chair et pointe. Côté, derrière, rassemble et touch. Encore une fois. On y va. Face à 3 heures. Deuxième mur. Side together. On appuie sur son pied gauche. 3, 4 et side together. Et mon triple side. Rock. Oh, c'est le triple car. Je tourne droite, gauche. Mambo step. Je recule gauche, droite et côte cross. Side together et mon triple step. Rock, step et c'est l'heure demi. Marche, marche. Rocking chair et pointe. Côté. Derrière, je rassemble touch. Ok? Ok. Ça a l'air d'aller. Troisième murmure du fond. On y va. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Un rappel pour toi, mamie Tita. Oui, il y a longtemps. Donc c'est pour ça qu'on va faire les autres murs hein, quand même. Il y a un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Coucou Josiane. C'est long quand même, j'ai l'impression que je pose une question, il faut faire j'attends 5 minutes le temps que vous me répondez. Allez, on y va. Troisième mur, mur du fond, side together, 3, 4 et side together. Et mon triple side, rock, cross et le triple car. Full turn, go droite, gauche, mambo step, recul gauche, droite et côte cross. Side together et le triple step, rock, step et c'est l'heure demi. Marche, marche, le rocking chair et pointe, côté, derrière, rassemble, pointe, encore. Troisième mur, mur du fond, 3, 4, side together et le triple side, roll cross et le triple car, full turn, droite, go, mambo step, recul gauche, droite, côte, cross et side together, triple step, rock step et c'est l'heure demi. Marche, marche, le rocking chair et point, côté, derrière, rassemble, touch. Bien pointer son pied droit à la fin. On continue, quatrième. Je vous expliquerai les points loin après. On y va, quatrième, 3, 4, et side together, et le triple side, rock, cross, et mon triple car, full turn, droite, gauche, mambo step, recule gauche, droite et côte cross, side together et mon triple step, rock step, c'est l'heure demi, marche, marche, rocking chair et pointe, côté, derrière je rassemble pointe, encore, quatrième, 3, 4 et side together et mon triple side, rock cross et le triple car, full turn, droite, gauche, mambo step, recule gauche, droite, côte cross,
side together et mon triple step. Rock step et straighten over me. Marcher, marcher le rocking chair et pointe. Côté, derrière j'assemble pointe et side together et triple side, etc. Ok, ça va? C'est une jolie danse, effectivement, Cindy. Elle est très sympa, celle-là, mais un petit peu, un peu plus technique, on va dire. Impec, cool. Donc, je vous récapète. Vous allez avoir des tags et restart. Enfin, surtout un tag et des restarts. Le restart va se situer sur le troisième mur, le cinquième mur, le sixième mur et le dixième mur. Il y en a quatre. Quatre, ok. Donc, troisième, cinquième, sixième, dixième. On les entend très très bien, je trouve. Ce qui est juste important à bien comprendre et à ne pas oublier, ok. Bon, si c'est bon, super, super top. Ok. Donc, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, les restarts vont se passer au même moment, enfin au même endroit. C'est, je me mets pour que vous voyez comme ça. Donc, on aura fait son marche, marche, le rocking chair et bien poids du corps sur ma jambe gauche. Normalement, on devrait faire devant, côté, derrière, je rassemble pointe, d'accord? Sauf que je vais faire mon rocking chair et 1, 2, 3 et 4, je reprends, d'accord? Donc, on aura fait notre danse, on aura fait mon sailor demi, marche, marche et rocking chair et 1. 2, et on continue, d'accord, depuis le début. On l'entend, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare au moment où je vais faire les rocking chairs, et 1, je repars, d'accord. Au niveau du quatrième mur, vous allez avoir un petit tag franchement facile, puisque déjà, première chose, vous me verrez, ce sera déjà une bonne chose. Deuxième chose, c'est des sways, donc j'aurai fini ma danse sur pointe devant, côté. Derrière, je rassemble mes pointes, je pose mon pied droit à droite, comme si j'allais démarrer, sauf que là, je fais 4 sways. Donc, je balance droite, gauche, je rassemble un petit peu en faisant un follow, et hop, je repars du pied droit. Ce qui me permettra de faire mes 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, et 4. Ça me permet de mieux rattraper. C'est pas indiqué sur la fiche, mais je vous le dis. D'accord? Est-ce que ça va? Donc, les restarts, 3e, 5e, 6e, 10e. Et au 4e, vous avez un tag, c'est les sways. Je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver un petit morceau de musique. Voilà. Ça, c'était par exemple un restart. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive. On dort tranquille. D'accord? C'est à chaque fois, on sent qu'il y a, à un moment donné, la musique, ça monte, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, et en fait, ça reprend, et donc du coup, c'est le moment où on reprend la danse depuis le début. D'accord? Donc, sur une superbe chanson de Myland, Playboys, est-ce que vous êtes prêtes? Prêts? On a peut-être des hommes qui nous regardent aussi. Moi, j'en fais une généralité, hein, ça y est. Je vois 4-5 filles, ça y est, hop, tout le monde, c'est des filles. Allez, on y va, Playboys! Did I miss the right home right way? Please say goodbye again. Toujours prêtes les filles. Allez, on s'est armé. On entend bien le début, on démarre. Attention. On y va. Et 5. Did I miss the right home right way? Please say goodbye again.
Celle-ci, on l'avait fait chez les Wild, forcément. Du coup, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui. Et bonjour d'ailleurs. Bon, je le récapète encore une fois. Si vous mettez des bonhommes rouges, faut me dire pourquoi. Si c'est une erreur, ben on modifie ça tout de suite. Ok? Est-ce que ça va toujours par chez vous? Oui. Jolie, oui, jolie danse. Effectivement, j'aime beaucoup celle-là. Allez, on continue maintenant avec Fall in Love, qu'on avait déjà fait aussi durant un de mes lives, donc c'est aussi une révision. Donc c'est sur une chorégraphie de Pat Scott, pardon. C'est pas une récente, hein, c'est plutôt une vieille de 2013. Débutant, 32 comptes, 4 murs. Vous savez que je fais jamais rien de trop compliqué sur les lives. Alors, Fall in Love, rappelez-vous, ça faisait ceci. Well, I'll hold your hand when we go out, and when the lights are low. When I kiss your lips, stroke your fingertips, and every place we go. But I'm never
même rigolote, je trouve. Ça donne envie, je sais pas, de faire un peu le saut dessus. Allez, on y va. Fall in love. Des souvenirs, souvenirs. Souvenirs, souvenirs. Allez, on y va. On va donc démarrer en appui sur sa jambe gauche. Je vais partir sur ma droite, entre guillemets. Les deux premiers pas, c'est des basiques de Madison. Donc, je pose mon pied droit à droite, je croise le pied gauche devant, je pose mon pied droit à droite et je viens faire un kick dans ma diagonale avant-gauche et pareil à gauche, côté, devant, côté et kick dans ma diagonale avant-droite. Donc, ça fait côté, devant, côté, kick, côté, devant, côté, kick. Pour les corps toujours bien sur ma jambe gauche. Maintenant, j'avance. Droite, gauche, droite. Bien en appui sur son pied droit, je viens faire un flick du pied gauche, mais mon flick, donc un flick, je rappelle, c'est un kick arrière. Mais en même temps que je fais ça, je vais pivoter un demi-tour vers ma droite. D'accord? Oui, bon, moi j'aime bien dire qu'on fait le saut du coup. Hein. On fait un peu le saut sur cette danse-là. Elle est marrante. Donc, encore une fois, à droite, 3. 4 et côté, devant, côté, kick et côté, devant, côté, kick, je marche droite, gauche, droite, demi-tour. Alors désolé, je suis un peu coincée avec le mur. Donc flic du pied gauche, donc bien derrière, ok. Et je continue, je remarche gauche, droite, gauche. On est donc toujours face à 6 heures. Et je viens faire un brush du pied droit, un scuff du pied droit, pour directement enchaîner sur deux rocking chairs. Donc, première rocking chair, je balance une fois devant, puis je balance une fois derrière. Je refais une fois devant et une fois derrière. Je vous expliquerai après, on peut s'amuser aussi un petit peu à ce moment-là. D'accord? Je refais depuis le début. À droite, 3, 4, et côté, devant, côté, kick, côté, devant, côté, kick, marche, 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 demi-tour et marche, 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 et scuff, et le rocking chair, re, et rocking chair, re. Poids du corps, pied gauche. Pour terminer ma danse, je viens faire deux steps pivot du pied droit. Donc, je vais faire deux steps un huitième pour faire du coup un quart de tour à gauche. Pose ton pied droit devant, pivoter dans la diagonale avant gauche. Pose ton pied droit et pivoter. Si vous pouvez arriver face à 3 heures. On est toujours plus poids du corps sur notre jambe gauche. Je vais donc faire un jump en avant en faisant droite-gauche. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, je tape une fois dans les mains, 7, 8, je balance à droite, je balance à gauche. Poids du corps sur ma jambe gauche, je peux reprendre. 1, 2, 3, ok? Bon, t'as fini de faire du bruit? On y va, à droite. Les voisins, ils claquent les portes. On y va, depuis le début, premier mur, 3, 4 et côté, devant, côté, kick, côté, devant, côté, marcher, droite, gauche, droite et demi, marche, marche, marche et scuff, et le rocking chair, et le rocking chair, je tourne, et step un huitième, et step un huitième, et jump, tap, droite, gauche, poids du corps, pied gauche, et je repars à droite. Est-ce que ça va sur celle-ci? Elle n'est pas trop compliquée. Hein. Ah, il y a des coupures, ça arrive. Ça, c'est de la faute des voisins qui claquent les portes. Bon, de notre côté, apparemment, ça a l'air d'aller. Voilà, j'ai relancé. Impec. Ok, super. Donc, celle-ci, elle n'est vraiment pas trop compliquée. Ce qu'il va falloir, si on veut s'amuser. En fait, quand vous faites votre rocking chair deux fois, d'accord? Vous pouvez, lors du premier rocking chair, balancer une fois devant, et quand vous balancez une fois derrière, en fait vous allez regarder au-dessus de votre épaule droite. En gros, c'est pour s'amuser et regarder la danseuse qui serait derrière nous. Bon là, à part votre cadre photo, il n'y a pas grand chose derrière vous ou votre cuisine. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, le but c'est de hop, je regarde derrière et je reviens devant, derrière, et je tourne 2, 3, 4 et jump, et balance, balance, et 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà, on peut s'amuser un petit peu sur celle-ci. Et à la fin, il y a aussi quelque chose à la fin. Attendez. Que je me remette dessus. À la fin de la musique, en fait, ça ralentit.
Et donc, quand on danse, on vient finir sur ces rocking chairs lentement. Et du coup, on finit en croisant et en faisant un tour complet. Voilà, il me semblait qu'il y avait quand même un... Ah si, il y a un tag quand même, ça me semble. Alors, vous avez un tag au 8e mur, donc face à midi, entre la section... En fait, on va répéter la section 3 et la section 4. Donc, on va répéter à partir de rocking chair. C'est-à-dire que quand on sera, du coup, on sera tourné face à midi, on va avoir... Donc, on va finir notre danse en... Et jump, balance, balance. Et en fait, la musique, elle va reprendre à une certaine partie qui va donc être similaire en fait à notre rocking chair. Donc on va reprendre notre rocking chair, d'accord, et je continue. Step 1, 8e, step 1, 8e, et jump, balance, balance. Et 1, 2, 3, on reprendra. En fait, on vient juste répéter ces deux sections-là à partir du rocking chair. D'accord, c'est notre taille. On l'entend, hein. Puis on sort la langue. Oui, si vous voulez, on peut faire ça, on peut, mais je sais pas, est-ce que c'est fortement... conseiller. Alors, à la rigueur, on est chez nous, donc on peut. Mais après, il faudra garder sa langue dans sa bouche. Allez, on y va. Du coup, à musique. Puis on va peut-être juste fermer parce que j'ai dormi mes lâches. Il va bientôt encore pleuvoir chez nous pour changer. Allez, fall in love. Déjà parti, je remets et on y va ensemble. Cutest girl that a boy could wish to hold, and I wrap you in my arms at night so you don't feel the cold. But don't mistake, all I do is the pillow you will be smitten. Turtle dove, but I'm never, I'm never, I'm never gonna fall in love. Fall in love, no, not me.
Elle est super celle-ci. Toute mignonne, toute facile. Allez, on termine en beauté, si je puis dire. Avec une toute dernière, donc que j'avais déjà présentée aussi plusieurs fois, parce que c'est une danse que j'ai créée, je ne sais plus pour quelle occasion, mais c'était pour l'occasion. Ah si, c'était pour mon anniversaire, c'est pour ça que j'ai oublié. Donc pour mon anniversaire, j'avais créé I Recall Gypsy Woman. Et donc I Recall Gypsy Woman, c'était ceci. Silver coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did seem the gypsy rhyme. Yellow clover in tangled blossoms. Ouais, je sais que vous aimez aussi ça. Allez, je vous la récapète. I Recall a Gypsy Woman, 32 comptes, 4 murs. Il y aura un restart au quatrième mur. Elle a déjà été présentée plusieurs fois, notamment aussi avec George Rios sur un workshop spécial Espagne. Et aussi également voilà, sur des workshops, je crois que j'avais fait aussi sur France Live. Bon, en tout cas, je vous l'ai présenté en live en France aussi. Oui, avec une superbe chorégraphe du coup qui a fait Fall in Love. Allez, I Recall a Gypsy Woman. Donc, je disais 32 comptes, 4 murs. Ça reste dans une novice. On y va. Oui, c'est tout. Comblé aujourd'hui. Ok, bon, c'est top. Oui, bah alors, Océane est, si je peux dire, une grande fan. C'est une, normalement une débutante, mais qui a dansé en fait toutes les danses qu'on fait depuis un an et demi, que ce soit en live, que ce soit débutant, intermédiaire. Voilà, elle a tout appris, que ce soit lent, rapide. Et aujourd'hui, elle est même plus considérée comme une débutante, quoi. Hein. Elle a monté de niveau grâce au live du confinement, etc. Donc, franchement, bravo Océane. C'est top. Donc, je vais reculer un petit peu, puisqu'on va avancer sur celle-ci. On va démarrer, du coup, en faisant un toe strut avant droit. Toe strut avant gauche, toe strut. Step, lock, step avant droit. Step, lock, step. Scuff du pied gauche, scuff. Je pose mon pied gauche devant et je viens pointer le pied droit derrière le pied gauche. Touch. Je refais. On y va. Du pied droit. 3, 4 et toe strut et step, lock, step. Scuff, step. Touch et back. Je pose ensuite mon pied droit derrière. Kick avant gauche. Counter step du pied gauche. Counter step. Ou counter cross. Counter cross. Pardon. Je refais depuis le début. On y va. 3, 4, et toe strut, et step, lock, step, scuff, et step, touch, et back, kick, counter, step. Quand j'arrive ici, je pose mon pied droit à droite, side step, poids du corps sur ma jambe droite. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit, mais tout de suite, je repars un quart de tour vers ma gauche, donc face à 9 heures, poids du corps, ensuite à gauche, puisque j'ai fait un side step, d'accord ? En fait, j'ai juste fait côté, côté, d'accord ? Sauf que c'est plus joli quand on fait côté, je repasse par le centre avant, ensuite je changeais de direction, d'accord ? Toujours face à 9 heures, j'enchaîne sur un triple cross du pied droit, triple cross. Je pose ensuite mon pied gauche à gauche, side step, je pointe le pied droit à côté du pied gauche, je pose mon pied droit à droite, pam, 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 pose mon pied droit à droite. On va déjà faire tout ça. C'est déjà pas mal. Il fait de l'orage. Ouais, quel mois de mai. Je surveille parce que moi, il y a mon gros qui est en train de dormir dehors. Si est-ce que ça menace bien, je pense que ça va pas retomber comme une bonne drache que j'ai eu tout à l'heure. Donc, on va éviter qu'il soit mouillé. On y va.
Depuis le début, 3, 4, et toast, trot, et step, lock, step, scuff, step, step, back, kick, coaster, step, pose à droite, écart de tour, triple cross, et side, touch, side. Je continuerai sur un behind side cross du pied gauche, derrière, côté, croisé devant. D'accord? Maintenant, je fais un rock step avant droit. Rock step. Il y a un problème. Donc, mon chien a détecté un problème. Rock step. Du coup, je ne sais plus. Bien trop. Ça arrive. Franchement, depuis qu'il y a eu ces histoires de pandémie, c'est incroyable le trou de mémoire que je peux avoir par moment. Ok, ça y est, c'est revenu. Mais ouais, je sais pas. Oui, monsieur, rentre parce qu'il pleut. Voilà, ça y est, il pleut. Dis bonjour quand même en passant. Allez. Donc, on a fini sur son side rock et un side cross. On est arrivé là, face à 9h. D'accord? Maintenant, je fais un rock step avant droit. Rock step. Triple step arrière droit. Triple back. Coaster step arrière gauche. Coaster step. J'avance droite, j'avance gauche. D'accord? Donc, j'ai fini mon behind side cross. Rock step avant droit. Je reviens et mon triple back. Le coaster step. Marche, marche. Ok, je finis. Dernière. Je fais ensuite un rock step avant droit. Rock step. Triple step, demi-tour vers ma droite. Triple demi. Je suis donc tournée face à 3 heures. J'enchaîne en faisant un full turn vers ma droite. Donc complet gauche, droite. Et je terminerai en faisant un step, lock step avant gauche. Step, lock step. D'accord ? Elle prend de la place hein, sur la fin. Il drache aussi chez vous. Ouais, c'est du Nord, ça, il drache. Et c'est de chez nous aussi. Allez, on y va depuis le début. Toast trot, pied droit. 3, 4, et toast trot, et step, lock, step, scuff, step, touch et back, kick, coaster, step. Pose à droite, quart de tour à gauche. Triple cross. Et side, touch, side, behind, side, cross. Et le rock step, le triple back. Et coaster step, marche, marche. Rock step et triple demi. Je tourne gauche, droite et step, lock step. D'accord? Je pourrais donc ensuite reprendre ma danse sur toast, trot et step, lock step. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que vous en rappeliez? Est-ce qu'il y a besoin de faire les autres murs? Oui, non, peut-être encore un petit peu. Oh, c'est très long, j'ai l'impression. Je vais aller par là-bas. Ah, ben là, ça y est, chez nous, il fait tout noir. Oui. Oui, un peu. Ok, d'accord. Donc, on y va. Donc, on a fait son premier mur, deuxième mur. On est face, du coup, à 3 heures. Ok? On y va. Face à 3 heures, toast trot du pied droit. 3, 4, et toast trot, et step, lock, step, scuff, step, touch et back, kick, coaster, step. Pose à droite, quart de tour midi et mon triple cross. Side, touch, side, behind, side, cross. Et le rock, step, mon triple back. Coaster, step, marche droite, gauche et rock, step. Triple demi, tour, full turn, gauche, droite, step, lock, step. Ok, deuxième encore. On y va, 3, 4 et toast, trot, toast, trot. Step, lock, step. Step, step, back, kick, coaster, step. Pose à droite, car le tour à gauche. Et mon triple cross. Mon side, touch, side, behind, side, cross. Rock, step. Et mon triple back. Coaster, step, marche, marche. Rock, step. Triple demi, tour, full turn, gauche, droite. Et triple step. Bon,
Fais-nous espérer Noël, en espérant qu'on va bientôt avoir le soleil chez nous. Est-ce que ça va pour le deuxième? On continue. Troisième murmure du fond. Toast-trot, pied droit. 3, 4. Et toast-trot, et step, lock, step, scuff, step, touch et back, kick, coaster, step. Pose à droite, curl tour à gauche. Triple cross. Side, touch, side, behind, side, cross. More step. Et le triple back. Coaster, step, marche, marche. Rock, step, triple demi-tour, je tourne gauche, droite et triple step. C'est serré, il faut faire des petits pas. Encore, troisième murmure du fond, en comptage. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Tourne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Rock, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, marche 7, 8, tourne 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Là, ça y est, chez nous, il fait du soleil. Voilà, c'est le nord. Il pleut dans la minute qui suit, il y a du soleil. Dans 5 minutes, il neige. Allez, quatrième, 3. 4 et toast, trot et step, lock, step, scuff, step, touch et back, kick et counter, stop. Ah ah, oui, je vous fais arrêter ici. Parce qu'ici, vous allez avoir votre restart. Donc, je reprends sur toast, trot et step, lock, step, step, step et back, kick, counter, step. Pose à droite, quand je tourne à gauche. Triple cross et side touch side behind side cross rock step et mon triple back coaster step et marche marche rock step et mon triple demi full down gauche droite step lock step. Ok, encore une fois quatrième avec notre restart. 3 4 et toast, trot et step, lock, step, scuff, step, touch et back, kick et counter, restart. Et toast, trot, step, lock, step, step, scuff, kick, coaster, step. Pas à droite, quart de tour à gauche, triple cross, side touch, side, behind, side cross, rock, step, et mon triple back, coaster, step, marche, marche, rock, step, triple demi-tour, full turn gauche, droite, step, lock, step, et toast, trot, on reprend. On a un arc-en-ciel. Est-ce que ça va? Oui? Allez, on essaye de faire ça en musique. Un pec, ça va? Ok. Eh ben, on y va. Musique avec Rick Snell, I Recall Gypsy Woman. My mind, oh gentle woman, you sleep.
beside me. Little road who haunts my mind. Oh, gypsy lady, I hear your laughter and the dances in my head. While my tender wife and babies slumber softly in their beds. I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, out of skin against the moonlight, and the taste of life's sweet wine. I recall spangles in her eyes, out of her skin against the moonlight, and the taste of life's sweet wine, and the taste of life's sweet wine. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin. Bah oui. Voilà, elle est toute facile, bon, plutôt soft. Voilà, elle est super cool celle-ci. I recall a gypsy woman. N'hésitez pas, vous pouvez bien évidemment la retrouver sur Copenhague ou m'envoyer un petit message pour que je vous la transmette avec la musique. Merci Noël. Merci Thérèse. Et bien en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a changé un petit peu vos idées en ce week-end, d'Ascension, oui, c'est le week-end de l'Ascension. J'ai un peu du mal avec les fériés parce que je continue quand même à travailler même le week-end, donc il n'y a pas de férié. Donc en attendant, profitez bien, pour ceux qui sont en repos, reposez-vous, pour les autres, bon courage, et on se retrouve la semaine prochaine, et croisons les doigts, j'espère que je serai accompagnée de la team des Y Country de Bachan. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end.